on ne peut pas encore tirer de conclusions hâtives sur un réchauffement climatique éventuel. Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant ? Pour l'instant, rien d'alarmant. On pourrait la relier surtout à la sécheresse, parce que le changement et réchauffement climatique n'est pas représenté par cette altitude du sommet du Mont-Blanc, parce que là-haut, le glacier est froid, on est à moins 15 degrés de température moyenne annuelle. Pouvoir être associé à cette mesure, c'était quelque chose d'assez chouette et je suis super heureux d'en être ambassadeur. À 30 mètres d'altitude, on a une couverture d'environ 80 mètres par 80 mètres. L'idée, c'est d'avoir une série de données suffisamment longue, pendant 50 ans, 60 ans. Le réchauffement climatique, ou le changement climatique plutôt, c'est quelque chose qui se mesure et qui se perçoit dans la durée. C'est pas en mesurant d'une année à l'autre ou sur l'espace de quelques années que l'on peut conclure hâtivement quelque chose.